أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Missionnaire en charge, Saheb, distingués membres de la présidence, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour mon discours aujourd'hui, pour commencer, je présente une de bonne activité, un bon travail que la Jamaat vient faire depuis deux derniers Jalsa. Concernant Terbiyat, moi je tout connais, nous sommes dans le lockdown, nous sommes dans la restriction sanitaire. Alors, nous fin, avec l'aide de bandes missionnaires, nous organisons plusieurs bandes d'adresses online. Tous nos bandes Jamaati Celebration, c'est-à-dire Muslim Aoudé, Massim Aoudé, Relafadé, nous finissons bien, organisons tout, une base régionale, et ça aussi nous faisons online. Et quand. Patient à ma restriction, la Nutifine organise le ban salat ashra aussi régulièrement que possible, à travers ban deres, ban rencontre avec ban membre, ban porte à porte. Et puis aussi, concernant tel biet, Nutifine implémentation et une résolution shura concernant Adab et Masjid. Au niveau tabli, il y a quatre pamphlets qui nous finissent distribuer. Quand il y a une restriction, nous pouvons faire porte à porte et puis dans la voie publique. Et quand il y a une restriction sanitaire, nous pouvons envoyer par la poste. Alors, ces quatre pamphlets-là, c'est Musulmans pour la paix, CMA, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le modèle parfait, et Soumettre en volonté de Dieu. Au total, nous finissons distribuer 134 000 pamphlets. Nous tenons une courante exhibition qui nous est organisée à Rosil, quand nous tenons une soixantaine d'invités et plus de 250 visiteurs. Régulièrement, nous organisons une classe tablique online avec l'aide de nos missionnaires. Et depuis mars 21 à mars 2022, nous finissons enregistrer 7 bêtes. Aussi, nous avons l'équipe qui est menée par Morabi Labid Saheb, qui occupe tout le travail qui nous fait sur les réseaux sociaux. Régulièrement, nous mettons des postings. Toujours au niveau tablique, nous organisons des réunions avec des contacts tablique régulièrement. Nous mettons en place un CMA Information Team qui fait un bon travail de recherche pour la Jamaat. Côté Talim, depuis plusieurs années déjà, nous décernons le professeur Abdus Salam Gold Medal à chaque étudiant qui sortit premier en physique pure à l'Université de Maurice. Alors, depuis plusieurs années déjà, nous donnons une médaille d'or. Et puis, sous l'instruction de Huzur, nous venons mettre en place le AMSA, Ahmadiyya Muslim Student Association, au Ban Gosso. Et aussi, il y a une bonne action qui nous peut prendre pour nous réduire nos stocks de livres. Côté Ishad, nous pouvons travailler aux compilations Histoire de Maurice. Et puis, nous pouvons travailler pour aussi régulièrement que possible, nous magazine le message. Concernant Wasiyat, nous avons 375 moussi, 208 hommes et 167 madames. Au niveau de l'alimul Coran et Kwakfearzi, nous avons une classe de tafsirul Coran qui est organisée régulièrement par nos missionnaires. Et nous avons une attendance environ 95
à 160 par session. Nous organisons une cérémonie pour 2021 que nous avons 7 garçons et 8 filles qui ont un award. Concernant Tehrik et Jadid, pour 2021-2022, nous finissons collecter 5 177 000 roupies qui finissent contribuer par 1666 contributeurs. Et par la grâce d'Allah, Maurice finit classé deuxième en Afrique. Concernant Wakfé Jadid, pour 2021, nous finissons collecter 3 036 000 roupies qui finissent contribuer par 1540 contributeurs. Et ça aussi, par la grâce d'Allah, Maurice finit classé deuxième en Afrique. Le secrétaire Normo Bahine régulièrement organise un programme pour nous ban nouveaux convertis. Au niveau de Jaidad, nous avons 4 projets de construction qui nous travaillent. Nous avons un projet fort, Gulshani Ahmed, vous pouvez nous le voir en ce moment. Nous avons un Youth Center à Belmore. Nous avons un Masjid Mahmoud de Terre Rouge, qui est, Inch'Allah, pour financer par Masjid Sansarullah. Et nous avons un Mission House à New Grove, Inch'Allah, pour financer par la Jina Imaïla. Faire droit pour réalisation de tout ce projet-là. Au niveau Wakfé Nord, nous avons 278 Wakfé Nord, 168 garçons et 110 filles. Et nous avons une classe qui tenait presque régulièrement de ma dimanche. Et puis au niveau Zirat aussi, le département Zirat bien actif, il y a un VAG de triolet. Quand nous cultivons plusieurs bonnes affaires, hein, papaye, coco, fruits à pain, litchi, limon, banane, mangue, avocat, calebasse, piment, manioc, patate, tout ça. Et aussi le secrétaire Zirat, en collaboration avec Fareil, il organise un cours à l'attention de nos membres. Alors, comment vous dites, Alain, pour revenir dans le projet Gulshani Ahmed. Dans Surah Ali Imran, chapitre 3, verset 93, Allah Ta'ala dit « Lan tanalul birra hatta tunfikru mimma tuhibboun wa ma tunfikru min shay'in fa inna allaha bihi alim. » Cette traduction, « Jamais je pourrai gagner la piété » à moins qu'ils se dépensent, ça va être quelque chose qu'ils soient bien contents. Et n'importe ce qu'ils ont dépensé, Allah connaît ça bien. Dans un sourd de bas, Huzur Anwar et de la Tala bin Salaziz, mentionné qu'il y a cette Messie Maud al-Salam qui dit qu'un dimoun y a un grand amour pour faire du bien. C'est pourquoi, il dit, et pour gagner vraie dévotion et iman, fin dire, jamais je pour gagner la droiture tant qu'ils n'ont pas de dépenses de ce qu'ils ont content. Parce qu'ils sympathie et compassion avec ma créature d'Allah demande qu'ils vous dépensent de vous du bien. Tant qu'il y a un dimoun pas faire sacrifice, il n'est pas pour capable de faire les autres bénéficier. Vous sympathisez avec les autres, sacrifice c'est une affaire obligatoire. Dans sa BSLA, il donne enseignement de sa sacrifice-là. Donc, un dimoun dépense le chemin d'Allah, Allah peut tester dimoun-là sur l'obéissance et sur la droiture. Concernant nos projets forts de Gulshani Ahmed, certainement, c'est un projet de très grande envergure. C'est un très grand défi à relever. Certainement, coup projet l'a fait grimper. Mais il ne faudrait jamais oublier que c'est Allah et Zis Allah qui rab. C'est Allah et Zis Allah qui khairul raziqin. C'est-à-dire le meilleur d'Aban qui accorde provision. Et c'est Allah même qui donne l'univers tout entier, tout sur provision, tous les jours, depuis toujours, depuis tous les temps.
Certainement, Allah Ta'ala a un pouvoir pour accorder nous de ce munificence pour réaliser ce projet-là. Inch'Allah. Azat Muslima Oud, Azat Allah Ta'ala, nous explique l'importance de l'obéissance et les fin dire. Signification de Khilafat, c'est que dès que le Khalifa de l'époque dit quelque chose, tout banne les autres projets, propositions et plans de tomber. Et bien, pas oublier, il seulement projet, proposition et plan qui finit institué par le Khalifa qui est utile. Tant qu'il a jamais pas développé pleinement sa qualité d'esprit là, tout banne khutba pas pour servir d'ennier. Tout banne projet pas pour fiable et tout banne plan de tout vouer à l'échec. Ouzour Allah Ta'ala bin Selaziz dire tant qu'il nous sagesse, nous banne projet et nous banne action, nous reste sous l'instruction de Khilafat et qui nous suivent le Khalifa selon ce banne souhait, nous pouvons toujours gagner l'assistance et l'aide d'Allah. Nos projets de Gulshan et Ahmad, c'est un projet qui finit approuvé par le Khalifa et Waq. On nous fait un humble appel à tous les membres pour faire promesse et faire sacrifice dans le fond Gulshan et Ahmad. Et nous tous ensemble, nous faire droit et efforts pour réalisation de ce projet-là. Inch'Allah. L'escalier de Maurice, le nombre de membres qui finissent faire promesse et contribuer, dit encore bas. Une façon pour guetter, si 260 membres font sacrifice de 1 million chacun, 1 million roupies chacun, nous pouvons finir couvrir le projet là, ce coup. L'histoire de l'islam et l'histoire de la Jamaat, il y a une preuve vivante qu'Allah n'a pas les sacrifices de bonnes croyants à leur vide. Mes membres de la Jamaat ici à Maurice, nous tous, nous témoins, comment Allah n'a pas fini les sacrifices de nos aînés à l'envie. En effet, c'est à travers les sacrifices là même qui Jamaat progressé. C'est après beaucoup de temps qu'il a Jamaat à entreprendre un projet de salle envergure là. Nous avons la conviction qu'avec Allah, sur la grâce, doit de nous bien aimer Huzur et sacrifice de nos membres. Inch'Allah, ce projet-là pour concrétiser. Comment Allah fait une promesse de la Coran, pour ban qui fait lui confiance et qui est dans la crainte d'Allah des autres l'équerre, pour créer provision pour eux, depuis ban place, qu'ils ne sont même pas capables de penser. Qui Allah Ta'ala donne chacun parmi nous l'opportunité pour faire un sacrifice extraordinaire de ce chemin. Et qui nous et nous, la famille, viennent héritier d'Allah sur la grâce, ici et dans le-delà. Amin. Allahumma amin. Pour information de bonne membre, comme première pierre pour nos projets Gulshan et Ahmad, nous finons recevoir une brique depuis Darul Masi, Kadian. Nous finons envoyer cette brique-là, UK, pour Tabarouk de Huzur. Aussi, suite à proposition du magistère Amla National, Huzur finit d'une permission pour qu'il affiche nom de tout ban qui pour contribuer au moins équivalent 6 mois de salaire dans le projet Gulshan et Ahmad. Maurice Ali, suite à proposition du Masjid-e Amla National, Huzur finit d'une permission pour affiche nom de tout ban qui pour contribuer au moins équivalent 6 mois de salaire dans le projet Gulshan et Ahmad. Qui Allah Ta'ala a accepté tous nos bons sacrifices de ce chemin. Amen. Je profite de l'occasion là pour mentionner une des affaires concernant Jalsa Salana, Chanda Jalsa Salana. Le budget Jalsa Salana 2022, c'est nous Jalsa présent là, il y a environ 4,2 millions roupies. Par contre, nous collections Jalsa Salana pour l'année qui finit fait passer entre 2,6 millions roupies à 2,9 millions roupies. Donc, nous pouvons collecter bien moins que nos dépenses de Jalsa. Nous rappelons les membres que Chanda Jalsa Salana est un chanda obligatoire.
au même titre que chanda âme, chanda auxiliaire, tout ça là. Ce taux est équivalent à un dixième de nos revenus mensuels qui nous vient payer lors un an. D'après nos potentiels, nous sommes capables de collecter 6,2 millions pour Chanda Jalsa Salana. Alors, nous faisons un pressant appel à tous les membres de Jamaat pour contribuer pour Chanda Jalsa Salana d'après tout qui bise. Maintenant, je vais vous causer une affaire. À chaque occasion, je vais gagner, je vais causer là. Inch'Allah. À chaque occasion qui m'a pour gagner pour cause là, c'est taqwa. Parce que d'après mon constat, de manière générale, ma membre Jamaat n'a pas adopté le taqwa comme un principe directeur de nous la vie. Nous prétendons qu'il nous pourrait répandre l'islam dans le monde. Mais qui est faux nous peut faire? Et quel exemple nous peut donner pour prouver ça? Hazrat Masih Maud alayhi salam dit, d'abord nous avons un acte quoi? La droiture. Nous avons un acte quoi dans nous? Et nous avons une de protection d'Allah. Nous avons développé un tel la foi et un tel pureté dans nous qui ça développe la crainte spirituelle dans nous-mêmes. Allah dit dans le Coran, qui but de la création de l'homme, c'est pour faire son adoration. C'est quand on peut adorer un seul Allah que vous êtes capable de rétablir le taqwa, c'est-à-dire la droiture. Aujourd'hui, c'est quand on reste le taqwa même que vous êtes capable de gagner l'amour et la crainte d'Allah. Mais ban qui t'y vient avant fin oublier sa lode-là. Au lieu qu'ils aient adoré un seul Allah, le film commence à dos une quantité bon Dieu. Certains films commencent à dos trois bon Dieu. Les autres films commencent à prier statue. Certains films faire plaisir à le monde là, vis de bon Dieu. L'amour et la crainte d'Allah pas fin rester dans les équerres à cause de tout ce qu'ils ont typé faire là. Mais Allah dit, si nous avons envie d'adopter ta quoi, alors ta quoi veut dire qu'il nous besoin à dos un seul Dieu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire Rabbi ahti nafsi taqwaha. Om Rab, accorde-moi la vie taqwa. Tu peux dire Om Rab, accorde-moi taqwa. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui tient un symbole de taqwa, qui tient une personnification de taqwa, celui qui peut donner enseignement de taqwa au monde entier, lui-même lui peut faire droit de taqwa. Il s'y connaît que tant qu'il y a au jeu d'Allah, je n'ai pas un moutaki, alors en réalité, je n'ai pas un moutaki. Il s'y désire qu'il se l'écho rempli net avec ta quoi. Au jour d'un semaine khutba, dire Allah le Tout-Puissant finit servir le mot ta quoi plusieurs fois dans le Coran. Il est difficile pour énumérer ce tout. Il est possible qu'Allah n'a pas fini servir un autre mot. Plus que le mot taqwa de Coran. Le mot taqwa est utilisé dans différentes formes, temps et situations pour ban warning. Qu'un musulman marié, à l'occasion de Nika, le mot taqwa répété 5 fois pendant le khutba. Par ça, nous capables de comprendre l'importance de taqwa. Si un musulman, homme ou dame, pas établi le taqwa, alors il n'a aucune garantie. Qui prochaine génération pour ban muttaqi, ban qui a adopté taqwa, la droiture. En résumé, taqwa c'est une chose tellement fondamentale qui sans ça, il est impossible d'arriver jusqu'à Allah et établir une relation vivante avec Allah. C'est trop extrait là, trop d'Arout Baté Masour, volume 6, page 242. Hazrat Masih Maud alayhi salam dit. Alors, ô celui qui considère lui-même d'Amo Jamaat, au ciel, pour compte lui-même d'Amo Jamaat, seulement s'il est vraiment marche au chemin de taqwa. Alors, observe cette 5 la prière quotidienne avec tellement de crainte et conscience
comme si je peux trouver Allah devant eux. Et garde Rosa d'une façon véridique, seulement pour la cause d'Allah. Et tout ban qui zakat imposable aux autres, je te bisin paye zakat, et tout ban qui hajj obligatoire aux autres, et je peine à aucun obstacle dans ce chemin, je te bisin accomplir le hajj. Des causes, je te ban neki, je te ban bonne action, quand je peux faire ça ban bonne action là. Et gagne dégoût pour péché et abandonne péché. Rappelle qu'il n'y a aucune action qui vide de ta quoi pas arrive jusqu'à là. Racine de tout ban neki, ma bonne action, ma vertu, c'est ta quoi. Sa action contre la racine de ta quoi vivant, sa action là, jamais n'est pas gaspillée. Sato d'Akishtinu, Rouhani Razaim, volume 19, page 15. Béni est celui qui a adopté ta quoi dans une période de succès et de prospérité. Et plus malheureux est celui qui n'a pas adopté ta quoi après qu'il ait fait une gain connu. Malfouzad, volume N, page 157. Ta quoi essentielle pour connaissance céleste. Par contre, pas nécessaire et n'a ta quoi pour l'étude grammaire, physique, philosophie, l'astronomie, médecine, etc. Il n'est pas nécessaire pour man qui peut étudier ce sujet-là, pour faire namaz, pour garder Rosa, ou qui se porte attention à man commandement divin et man affaires qui défendent, ou qui se bise soumettre man action et se man parole à man directive d'Allah. Ça trouve dans Malfouzat, volume N, page 425 à 427. Le Coran, Allah fin comporte ta quoi comme un vêtement. Liba sur ta quoi. Le vêtement de ta quoi. C'est une expression de Coran. C'est une indication qui c'est à travers ta quoi que nous sommes capables d'atteindre la beauté et l'ornement spirituel. Satru de Barahine Ahmadiyya, Rouhani Razaim, volume 21, page 209 à 210. Maintenant, vous pouvez anticiper l'arrogance. Hazrat Masih Maud alayhi salam dit, vous dites à ceux qui en vérité jour du jugement, après shirk, aucun vice pas pour aussi élevé que l'arrogance. C'est un vice qui humilie un dimoun dans les deux mondes. La miséricorde d'Allah sape tout un dimoun qui croit dans l'unité d'Allah, excepté celui qui est arrogant. Satan aussi affirmait qu'il y croit dans l'unité d'Allah. Mais comment il est arrogant et il guette Hazrat Adam avec mépris et il tire défaut dans lui, il finit ruiné et il finit maudit. Ainsi, premier péché qui finit cause la ruine pour toujours, c'était l'arrogance. Ça trouve dans Aina Kamalat Islam, Rouhani Razaim, volume 5, page 598. Hazrat Masih Maud alayhi salam dit, moi exhorte ma communauté pour éviter l'arrogance. Car l'arrogance est dégoûtant au jet d'Allah, le Seigneur de gloire. Peut-être je ne peux pas réaliser pleinement c'est quoi l'arrogance. Alors écoute-moi pendant qu'il me pécose sous direction Allah. Celui qui méprise un frère parce qu'il est estimé qu'il est plus savant ou plus sage ou plus compétent qu'il est, il est arrogant, dans la mesure qu'il n'est pas estimé Allah comme la source de toute intelligence et connaissance, et il considère lui-même comme important. Est-ce qu'Allah peine à pouvoir pour frapper par la folie, et à cause de ce frère qu'il estime comme petit, une meilleure intelligence, une meilleure connaissance, et une plus grande compétence qu'il est? Aussi, celui d'après fausse conception erronée de sa richesse, de ce statut, de sa dignité, il méprise ce frère. Il est arrogant parce qu'il oubliait que sa richesse, ce statut, sa dignité, il fait gagner des pieds à Allah. Il est aveugle et il parle lui-même compte qu'Allah a un pouvoir pour punir lui, au point qu'il commence un an du tout. Il est capable de vivre dans une condition plus bas parmi les plus bas. Et Allah accorde à ce frère qu'il estime plus bas une plus grande richesse qu'il est. De la même façon, celui qui est fier de la santé physique,
ou fier de sa beauté, de son apparence, de sa force ou de sa puissance, et méprise et moque son frère et mentionne son défaut physique, il est arrogant. Parce qu'il n'est pas conscient qu'il y a là un pouvoir pour donner un défaut physique d'une telle façon qu'il rend le pire qu'il son frère. Et bénit son frère de sorte que sa faculté pas subir aucun déclin ni empirer pendant une longue période parce qu'il y a là un pouvoir pour faire tout ce qu'il voulait. De même, celui qui néglige la prière à cause de ses dépendances de sa capacité, il est arrogant. Parce qu'il n'y pas reconnaître la source de tout pouvoir et de toute la force, et il compte sur sa propre la force. Par conséquent, ceux qui sont très chers pour moi, prends compte tout ce bon avertissement-là. Attention qu'ils soient considérés comme arrogants dans le ciel, là, le Tout-Puissant, sans qu'ils se rendent même compte. Celui qui, par fierté, corrige prononciation un mot de son frère, il participe à l'arrogance. Celui qui pas écoute ce frère avec courtoisie et détourne-lui de ce frère, participe à l'arrogance. Celui qui haït un frère qui peut assiser à côté de lui, il participe à l'arrogance. Celui qui moque et rit quelqu'un qui est occupé de la prière, il participe à l'arrogance. Celui qui pas obéissant envers un mandataire et messager d'Allah, il participe à l'arrogance. Celui qui pas prêt qui pas prête tout seul attention à la directive d'un tel dimoun, c'est-à-dire un messager d'Allah, et pas étudier ce ban écrit avec soin, participe également à l'arrogance. Essaye pour pas participer à l'arrogance d'aucune façon, afin qu'ils soient capables de saper depuis la ruine, et qu'ils soient ban proches, capables de gagner le salut. Incline-se vers Allah, et n'a l'amour d'Allah au maximum, et paie Allah le plus possible. Et dans l'équipe pure, et dans l'intention pure, doux, humble et libre de tout mal, afin qu'il soit capable de faire cette miséricorde. Ça, extrait-là, trouve dans Nuzulul Masih, Rouhani Raza'in, volume 18, page 402 à 403. Rappelle que l'arrogance est alliée avec mensonge. Pire mensonge, c'est mensonge accompagné d'arrogance. C'est pourquoi Allah le glorieux crase la tête d'un arrogant avant tous les autres. Ça trouve dans Aina Kamalat Islam, Rouhani Raza'in, volume 5, page 599. Un dernier extrait, l'arrogance. L'arrogance est une affliction qui affecte l'homme constamment. Garde à l'esprit que l'arrogance vient depuis Satan et convertit un arrogant en Satan. Jusqu'à ce qu'un démon détourne lui-même complètement depuis le chemin à l'arrogance, il n'est pas en mesure pour accepter la vérité et il n'est pas digne pour recevoir la grâce d'Allah. Parce que l'arrogance bat sur la route. Alors évite tout type d'arrogance, qu'il évine la cause de connaissance, richesse, statut, caste, famille ou descendance. Ça, c'est un facteur qui donne naissance à l'arrogance. À moins qu'il y ait un démon purifié lui-même de tout ce ban, de toute sa bonne fierté-là, il n'est pas pour capable de gagner l'acceptation divine et vienne un élu d'Allah. Une telle fierté des caractéristiques de Satan et lui déplaire à Allah. Satan t'a manifesté une telle fierté. Il fait une pensée qu'il est meilleur qu'Adam alayhi salam et il fait une affirmer. Mon meilleur qu'il est, te fait une créer moi depuis Diffé et te fait une créer lui depuis l'Angile. Satouda, sur la Sade, chapitre 38, verset 77. Résultat, c'est qu'il fait une résété expulsé de la présence d'Allah. Bon, récemment, je me dit dans le journal, dette de ban ménager à Maurice, les 178 milliards de roupies. À titre de comparaison,
si nous comparons nos projets Gulshan et Ahmed, nous avons presque 600 ça projet Gulshan et Ahmed là, de sa montant 178 milliards là. Alors, je vous pose un petit peu le canard. Concernant l'importance pour adopter canard, canard veut dire contente nous-mêmes avec ce qui nous est là, avec ce qui nous est là. Canard veut dire nous bien contente nous-mêmes avec ce qui nous est là. Allah Ta'ala dit dans la Taha, chapitre 20, verset 132. Pas bisinguer avec envie, ban à qui nous fin de nous abondance, splendeur de ça le monde là. Nous fin de nous sa bonne richesse là, afin qu'il nous teste nous à travers ça. Et provision de Seigneur, les meilleurs et les plus durables. La vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exemple pour nous. Celui pour lequel Allah fin créer ça le monde là, dans ce la case, des fois plus jour, pas de faire dans la cuisine. C'est-à-dire, pas de cuisiner en rien. Il se fait manger d'âme et boire de l'eau pendant plusieurs jours. Après qu'il ait fini une bonne richesse de ça le monde là, se habite tous les temps simple et propre. Il se fait dépenser sa richesse le ban qui plie pauvre, ban orphelin et ban veuve. Et il peut conseiller les gens de la case pour amener une vie simple. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin déclaré Kanaat, c'est un trésor qui jamais pas épuisé. Celui qui démontrait Kanaat, c'est sa dimoun qui, dans le besoin, malgré ça, lui donne 7 cas et dépense le chemin d'Allah. Et personne ne pas connaît qu'il lui-même lui dans le besoin. Et malgré qu'il est dans nécessité, il n'y a pas de bonne personne. Ça trouve dans Bukhari. Dans la vie de Hazrat Masih Maud alayhi salam aussi, nous trouvons comment il permet une vie simple. Et souvent, des fois, il reste fin et donne les autres préférences. Mir Qasim Ali Saheb, qui reste avec Hazrat Masih Maud alayhi salam en 1905, quand il est à Delhi. Il écrit, je prépare un curry spécial pour Hazrat Masih Maud alayhi salam avec un peu de légumes en plus. Et pour les restes ben invités, je prépare un autre curry. Hazrat Masih Maud alayhi salam puis dire, pas besoin de cuire des curry séparés. Cuire un seul curry, servir tout le monde. Et curry qui restait en bas d'un récipient, avouez ça même un petit guide pour moi. Et si je gagne, j'assors, mon content mange ça avec rôti, au lieu qu'il me mange curry. Get un coup de niveau de simplicité là. Une fois, Hazrat Mirza Tariq Rahman Rahimullah, tu racontes un incident quand il fait cause avec Ben Lajna. Il dit, avant Khilafat, quand Hazrat Khalifatul Masih Awal, c'est de Jamou, il fait une passe côté un djimoun qui est bien pauvre. Lui-même pas tient suffisamment linge dans le lit. Ce visage couvert avec la poussière, et il s'y paraît bien attristé, la cause de sa condition. Une fois, Hazrat Khalifatul Masih Awal, raziallahu ta'ala anhu, fait une passe côté lui, ça même djimoun là, tu peux sauter avec contentement. Il fait une demande, qui faire? Il est content comme ça. Il fait une réponse, moi, pas, il n'y a aucun désir. Et c'est ça même vrai trésor. En effet, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait dire, qui canate, c'est un trésor qui n'est pas fini. Donc, nous bisins explique sa bonne affaire là à nos bonnes enfants. Nous bisins diminuer la gourmandise. Quand nous tournons l'attention vers Allah, nous gourmandisons nos bonnes désirs pour diminuer. Ensuite, nous pouvons gagner une telle tranquillité dans nos vies qui n'est pas comparable avec Narnie. Ça, tu parais d'Al-Fazal de septembre 1998. Hazrat Muslim Maud, Razi Allah dit, Hazrat Khalifatul Masih Awal, Razi Allah Ta'anho, habitait raconter qu'il y a une vieille madame qui était bien pieuse. Une fois, je finis d'y aller, laisse-moi servir. Moi, envie qui m'a accompli un de ou ban souhait, comme ça, je suis capable de gagner bénédiction.
Les filles répondent, ce qui est là de moi, ça même suffit. Je n'ai pas besoin d'en dire. Je suis en train de faire tout le monde, je suis en train de dire, je suis insister, qui dit à moi une affaire au moins. Je suis envie qu'il me réussisse sa vie. Les filles répondent, nous leur disons, qui m'a besoin encore, à part d'un rôti pour manger et une couverture pour couvrir moi. Allah finit avoir des rôtis pour moi. Mon fils mange un et mon garçon fin mange un. Mon désir est une couverture et nous tous les deux servis ça pour dormir. Donc, mon la vie passe d'une bien bonne façon et mon pas besoin d'en rien. Vous êtes mon vivre, nous le dire, nous le dire, nous dire, que mon fils insiste encore une fois. Et les filles répondent, tu peux insister beaucoup. Dans ce cas-là, donne-moi un Coran avec gros caractère. Je n'ai plus capable de trouver bien, donc ça peut aider moi pour lire plus facilement. Les musulmans nous dire, donc guette l'exemple de sa madame-là. Il y en a parmi nous qui gagnent 400 roupies par mois, là aussi il n'est pas satisfait. Il y en a qui gagnent 500 roupies, là aussi il n'est pas satisfait. Il y en a qui gagnent 2000 roupies par mois, là aussi peine à contentement. Nous bisons rappelle que l'objectif, ce n'est pas pour gagner la richesse. L'objectif, c'est pour gagner satisfaction et tranquillité. Et ça, un dimoun, pas qu'à gagner avec l'argent. Si un dimoun peine à ça, qui utilise l'argent? Maintenant, je vais dire quelques mots concernant la célébration de ban mariage. Aujourd'hui, le Latala Ibn Selaziz dit, à l'occasion contentement de mariage, nous bisons Allah sur la grâce pour lui faire que ce mariage-là vienne un succès, pour qu'il ban future génération produire ban serviteur d'Allah. Qui se vient d'une génération qui est une vraie serviteur d'Allah. Je veux dire, en effet, la plupart des invités qui viennent de nos bons mariages, je t'apprécie nos façons que nous commençons avec de la voix de Coran, ensuite un anazam, que tu fais louange d'Allah, et nous terminer avec un doigt silencieux, et ensuite la mariée aller. Nos traditions, c'est qu'il nous fait un doigt pour le couple. Pour qu'ils se trouvent contentement dans ce mariage et qu'Allah avoue ce ban bénédiction. Nous aussi faire droit qu'ils se gagnent des enfants pieux et droits. Tradition du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam exigeait qu'il y ait un walima offert par le marié après mariage pour célébrer consommation du mariage. C'est une partie obligatoire, célébration au mariage. Et les besoins d'après moyen le marié. Aux autres dire qu'ils reconnaissent le besoin d'hospitalité. Mais les filles mettent nous en garde contre l'extravagance de la célébration conjugale. Aux autres continuer à dire qu'Allah fait, qui nous libère nous-mêmes de toute qualité, tradition et coutume, qui nous marche le Allah sur ban enseignement, qui nous suive sunnat de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui tous les temps nous donne priorité digne. Les bonnes affaires mondaines. Pour donner priorité à la religion, les bonnes affaires mondaines, il y a une telle action qui fait ou développe toute bonne bon qualité. Il y attire l'attention, le quitte man mal et bonnes affaires inutiles. Donc, ou bien garde une attention spéciale là, qui est là de nous tous à l'occasion là. Je tenais à remercier le Jalsa Salana Officer, le Jalsa Officer Jalsa Ga, l'Officer Rid Bateral, le Ban Naïb et le Ban l'équipe pour tous les efforts qu'ils ont fait dans préparation, organisation et déroulement de Jalsa.
et aussi tout bon volontaire qui, d'une façon ou d'une autre, se fin apporte cette contribution. Qui Allah Ta'ala récompense de tout pleinement, de bons efforts et de l'état. Jazakumullah. Comme on m'a dit hier dans le khutba du Jumma vendredi, malgré tout planning, il y a un bon manquement qui est arrivé pendant Jalsa. C'est à cause de ça qu'il vous ouvre, fait un appel à l'indulgence de Ban Mehman. Hier samedi, pendant le déjeuner, nous avons gagné un retard, surtout pour 10 pains. Et Ban responsable tenir à présent des excuses pour ce manquement-là. Aussi, il y a quelques 75 de nous Ban Lajna et 25 de nous Ban Jeunes qui ont engagé des services mangés, qui n'ont pas gagné un déjeuner. Ban arrangement fin fait après, mais le fait est qu'il y a aussi il a aussi fini un manquement. Et ben responsable tenir à remercier sa bande membre là pour cette compréhension et présente cette excuse pour ça. J'espère qu'Inch'Allah, à l'avenir, nous pouvons bien travailler afin qu'il bande affaires comme ça ne pas reproduire. On a modifié causé là, il y a des messages qui nous disent. Informe-moi qu'il y en a deux membres pendant qu'ils m'ont dit causer, je finis faire promesse chacun de 1 million de roupies pour le projet de Gulshan Ahmed. Nara Takbir Islam Ahmadiyyat Hazrat Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad Ki Ghulam Ahmad Ki Khilafat-e Ahmadiyya Nara Takbir. Et puis concernant attendance, présence, nous avons 965 dames et 890 messieurs. Au total, 1855 membres assistés à Jalsa. Mais au total, au moins une fois pendant 3 jours là, il y a 2145 membres qui participent de Jalsa. Alors, quand nous pouvons faire droit, nous pouvons faire droit pour Hazrat Khalifatul Masih, Aïdullah Ta'ala Ibn Salaziz, pour progrès Jamaat dans tout domaine, sur tout tablique, pour les missionnaires, pour les Wakfé Zindagi, pour les Wakfé Nau, ban office bearers, nous ban aînés, ban qui malade, ban veuve, ban orphelin, ban qui dans le besoin, ban qui de ban difficultés financières, ban couple qui finit séparé, ban membre qui n'a pour compose ban l'examen, ban qui finit quitte nous pendant l'année, si mentionne la liste hier. Ban qui sans emploi, ban Asirani Rahimaullah, ban frères et sœurs qui peut subir ban persécution aux mains de nos ban opposants, le monde en entier, aussi pour le monde en entier, concernant la direction dangereuse qui nous peut diriger nous là, et aussi pour tout ban membre de la Jamaat en général. Le moins vite de tout, pour ce moi dans doigt. Doigt.
Amen. Nara Takbir. Islam Ahmadiyyat. Hazrat Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad Ki. Ghulam Ahmad Ki. Khilafat Ahmadiyya. Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis. Nara Takbir.